Coucou, 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 les petits copains, les petites copines, les animateurs. Mais c'est nous, les animateurs. Eh bah, coucou, les animateurs qui me regardent. Ah bon, bah, coucou, coucou, les animateurs qui regardent Ellie. Bon, les petits copains, les petites copines, aujourd'hui, nous sommes réunis parce que nous avons quelque chose à vous montrer. Si vous vous souvenez, dans les vidéos précédentes, nous vous avions parlé de PandaCraft. Alors, PandaCraft, c'est quoi, ma puce, tu le sais? Non, c'est pas ça, c'est pas cri. PandaCraft, c'est une lettre qu'on reçoit tous les mois suite à un abonnement. On l'a eu deux fois, on en a eu deux déjà, et là on a une troisième lettre, c'est la lettre du mois d'août. Et dans cette lettre, tu sais ce qu'il y a? On avait un paquet, après deux paquets, et là on a le troisième. Et c'est le troisième. Alors la première fois, on avait eu un volcan à fabriquer. La deuxième fois, on avait eu un mobile avec des insectes. Et là, regardez les petits copains et petites copines, ce que j'ai à côté de moi, j'ai la lettre du mois d'août. Alors, moi, ce que je te propose, Ellie, c'est de découvrir ce qu'il y a dedans, parce qu'on ne sait pas du tout, vous voyez, elle est cachetée, la lettre, on ne sait pas du tout quelle est l'activité qui se cache dans cette lettre. Générique. Alors, générique. Et nous revoici. Et nous revoici, les petits copains et petites copines. Donc, nous allons ouvrir cette lettre. Donc PandaCraft, pour résumer, c'est un abonnement qu'on peut prendre sur un mois seulement, 3 mois, 6 mois, plus. Et on reçoit chaque mois une lettre d'un... C'est un atelier créatif en fait. Dedans, on a une application, on a un atelier créatif, quelque chose à faire avec ses mains, et un petit livret. Donc voilà, je vous mets en barre d'infos là, vous voyez, ça défile. Je vous mets le nom du site pour aller voir un peu de quoi il retourne. Vous verrez, c'est bien expliqué, c'est top. Donc nous avons un abonnement de 6 mois. C'est la troisième lettre qu'on reçoit, c'est la lettre du mois d'août. Et nous allons découvrir ce qu'il y a dedans à fabriquer. Alors qu'est-ce que c'est, ma fille? Ah, déjà, je vois un indice. Regardez, petit copain, petite copine. C'est écrit le ciel. Donc, ça doit être quelque chose à réaliser qui a un rapport avec le ciel, les étoiles. Alors, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet enveloppe? Alors déjà, oh, alors qu'est-ce que je vois? Je vois des choses comme ceci. Qui représente, on dirait, des étoiles, je sais pas trop. Je vois des choses comme ceci. Ok. Je vois aussi des choses à découper. Regardez. Voilà, des choses à découper. Ensuite, je vois qu'il y a des choses à monter. Regardez. Des autocollants. Des autocollants. J'ai des autocollants. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, regardez les petits copains. Un magnète. Ah oui, c'est un magnète. C'est un okay. Magnète. Je vois qu'on a aussi un petit... Tiens, ma petite. Paquet, parce qu'il y a... Tu n'arrives pas. Je vois qu'on a aussi une petite baguette de bois qui va certainement nous servir. Là, nous avons... Oh, là, nous avons des constellations. Je ne sais pas si vous voyez bien, petit copain, une copine. Ce sont des autocollants en forme de constellations. Donc, on a la balance, on a l'ours, on a le scorpion. Pff, on a plein de constellations. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Des petits autocollants. C'est sympa. Ici, nous avons le petit livret. Alors, le petit livret, ça nous explique comment réaliser cet atelier créatif. Mais en plus, ça nous donne plein d'informations sur le thème. Donc là, le thème, c'est les étoiles, je suppose, le ciel. Alors, on regarde, qu'est-ce qu'il y a dedans? Là, c'est quoi? Ah, alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, on nous explique le ciel, c'est quoi? Donc, comme ça, on peut savoir ce que c'est bien, c'est pas mal. Les planètes, qu'est-ce qu'on voit dans le ciel? Alors, on voit le soleil, on voit la lune. C'est pourquoi ma puce, ce sont des transferts. Alors ça, on le fera après. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'activité. Alors voilà, là, on nous explique l'activité. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un observatoire du ciel. Oh, on va fabriquer, les petits copains et copines, un observatoire du ciel. Waouh! Donc, ça va nous permettre d'observer les étoiles, je suppose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ben voilà, on nous explique comment le fabriquer. Donc, nous, on va le faire. Et puis, bien sûr, à la fin, on a encore tout un tas de petites histoires. Donc là, Pirate le rouge en vue, ok. Donc, une petite histoire sympa à lire, regardez. Oh. Voilà, voilà, voilà. Bon, alors les petits copains et petites copines, l'abonnement est environ de 8 euros. Donc, vous irez voir sur le site internet. Nous, pendant ce temps, on va créer cet observatoire du ciel. Alors là, je vois qu'il y a quelque chose. Regarde ma puce, c'est écrit « La tête dans les nuages ». Alors, tu veux l'ouvrir? Je sais pas ce qu'il y a dedans, ma puce. Regarde, c'est tout mou. Je sais pas ce que c'est. Moi, je sais. C'est tout mou. Alors, c'est quoi? Bah, je te dis pas parce que je sais. Ah bon, je te dis pas parce que je sais. Ok. Alors,
Vas-y, ma... Alors voilà ce que je vous disais. Regardez, les abonnements sont de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Et plus on s'abonne longtemps, plus il y a des réductions. Ça vaut le coup. Alors qu'est-ce que tu as trouvé là-dedans? De la mousse? Oh, des nuages! En fait, ce sont des nuages. Regardez, les petits copains et copines, ce sont des nuages. Waouh! Alors, les petits copains et copines, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence à fabriquer cet observatoire du ciel. Donc, on va commencer. Je vais suivre pas à pas le petit livret qui va m'expliquer. Et puis, bah, vous allez voir le montage petit à petit. Donc, on se retrouve après la première étape. On va commencer à monter. À tout de suite! Alors, première étape, les petits copains et copines, on nous dit qu'il faut faire un cône avec ceci. Bah, allons-y! Faisons un cône avec ceci. Donc, apparemment, toi tu découpes. Alors, je regarde, voilà, il faut faire comme ça. Et ensuite, il faut rentrer les petites languettes dans les trous. Je mets la barre d'info ici. Tu la mets où la barre d'info, toi? En général, elle est plus en dessous la barre d'info. Bah, ok, elle la barre d'info. Moi, je vais la mettre en haut. Tu la mets en haut? Ouais, c'est mieux. Hein. Et voilà, les petits copains et petites copines, nous avons formé le cône. Regardez, oui, ma puce. Papa, en fait, on a collé des autocollants pour que ça tienne, ça ne s'ouvre pas et c'est pour ça qu'il ne se défait pas. Tout à fait. Regardez, les petits copains et petites copines, derrière, nous avons des petits autocollants, ici et ici, en forme d'immeubles qui sont fournis dans le kit. Et Ellie, elle, pendant ce temps, elle vous montre qu'elle fait du coloriage. Elle m'a dit, papa, pendant que tu fais le montage, moi, je veux colorier. Alors, c'est vrai qu'Ellie, elle préfère jouer plutôt que monter. Moi, j'aime bien, alors je vais continuer. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai fait le cône. Allez, ça c'est la base. Alors nous allons passer à la seconde étape. Je regarde sur le petit livret. Seconde étape, une fois que nous avons collé les petits autocollants, il faut placer ceci dessus. Alors vous voyez, dessus, on voit qu'il y a tout un tas de petits ronds. Et bien les petits ronds, je vais les faire sauter avec le grattoir. Ça s'appelle un grattoir. Donc il suffit que je place dessus mon grattoir sur les ronds pour faire percer en fait, voilà. Je perce tous les petits ronds. Pouf, regardez, tac, 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 tac. Et on obtient en fait un gruyère. Une sorte de carton gruyère. Gruyère de souris. Oui, c'est vrai que c'est les souris qui mangent les gruyères. On va faire attention à ce que les souris n'arrivent pas chez nous. Hein. Alors, j'enlève tous les petits ronds. Tac, 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 tac. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait sauter tous les petits ronds, voyez, et ben je vais enlever tous les bouts de papier qui sont en train de lever en fait. Allez, je fais ça tout de suite. Et voilà les petits copains et les petites copines, j'ai enlevé tous les petits bouts de papier qui levaient. Donc maintenant on obtient un ovale, mais qui est transpercé, perforé de tout un tas de petits ronds de différentes tailles. Pouf, 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 pouf. Tu peux compter combien il y en a des ronds? Oui, on peut compter. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 trous. Je me demande à quoi vont servir ces 21 trous. Bon, suivons la suite des instructions. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ceci. Il va falloir le placer sur le cône. Alors, je vous montre ce que nous dit la notice. Regardez. Regardez, j'ai pas dépassé voilà. Pour les cheveux, là, vers l'oreille. J'ai pas dépassé. T'as pas dépassé, fais voir. Alors, on va faire un point coloriage. Regardons, Ellie. Vers l'oreille. T'as assuré. Là, t'as vraiment assuré. C'est très, très beau. Bon, continuons. Donc, nous allons placer cet ovale perforé sur le dessus. Allez, on se retrouve tout de suite après. Et voilà, les petits copains et les petites copines. J'ai installé l'ovale perforé sur le sommet du cône. Regardez. Hop, voilà. On dirait un phare un petit peu, hein. Ça ressemble un peu à un phare, vous savez, un chapeau d'anniversaire. Ou un chapeau d'anniversaire. Fais voir, je te le mets, toi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. N'importe quoi. Bon, c'est pas Noël. C'est pas Noël, c'est pas l'anniversaire, donc voilà. Alors, troisième étape. Nous en sommes donc ici. Nous avons mis l'ovale dessus. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On l'a bien fait, tu as raison. Ensuite, on nous dit de fabriquer une couronne de nuages. Vous voyez ici? Eh ben allez, on va le faire, c'est parti. Moi, j'ai des nuages par terre. Ils sont cool, ces nuages. T'as des nuages par terre, quoi. Ah oui, elle a mis des nuages par terre. Elle est... Regardez. Oh mince. Les nuages sont par terre. Regarde. Oh mince. Bon, on va faire ces nuages. Regardez. Avec la petite couronne qui est là. Qu'est-ce que tu fais? Tu nettoies? Ellie, nettoie avec non, les nuages. Du coton à l'intérieur. Ok, allez, on se retrouve tout de suite. Alors, les petits copains de copines, je vais vous montrer comment on réalise cette corolle, cette couronne de nuages. Donc, on a ici
le cercle perforé, vous voyez, il y a des petits trous tout autour, et là, j'ai eh ben, le coton. Donc, il suffit simplement de coincer du coton dans les petits trous comme ça. Hop. Je vais mettre le chronomètre. Regardez. J'ai mis le chronomètre. T'as mis le chronomètre ? C'est pour voir comment la fin se termine, là, le début se rouvert. J'ai rien compris. Allez, on va mettre des nuages. Alors, je vais en mettre tout le tour et puis on se retrouve tout de suite une fois que c'est terminé. Et bien voilà les petits copains et les copines, j'ai réalisé le cercle de nuages. Alors regardez, je vous montre de plus près à quoi il ressemble. C'est simplement un cercle dans lequel j'ai inséré des morceaux de coton dans les trous qu'on voit là. Alors je vais vous montrer, regardez, j'en enlève un. Hop. Donc là il y a des petits trous et j'insère du coton. Alors c'est super facile à réaliser. Hein. Alors ensuite ce petit rond, ben, qu'est-ce qu'on en fait? On l'insère dans le cône. Alors c'est parti, je le mets. Hop, 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 hop. Je le mets, je le mets, je le mets. Et voilà. Regardez ce que ça donne. C'est rigolo. Ça fait un observatoire dans les nuages. Regardez. Bon, 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 bon. Donc maintenant, étape suivante. Si je lis mon petit manuel, il me dit qu'il faut réaliser un deuxième cercle. Alors cette fois-ci, on va prendre un cercle plus petit. On va le mettre juste au-dessus. Et dessus, on va mettre la lune qui est ici et le soleil qui est ici. Donc je vais coincer ça, oui, ce sera à peu près comme ça, avec la lune et le soleil qui seront comme ceci, qui seront en orbite hein, autour de cet observatoire. Et ben, je vais le faire et puis on se retrouve tout de suite après, les petits copains et copines. Allez, à tout de suite. Pour les petits copains et copines, je vais réaliser ce deuxième cercle. Regardez, c'est ultra simple. Il y a des petites encoches là qui sont ici. Et puis il y en a ici. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, tout simplement, je connecte, tac, comme ceci. Et voilà. Ah, c'est ultra simple. Hein. Il n'y a pas plus simple, je pense. Ensuite, ce rond, eh ben, je le mets. Voilà. Et il m'aide. Hop. Je le place ici. Et je vais le coincer. Là, il y a une petite languette. Et voilà. Top. C'est tout. On touche plus. Regardez à quoi ressemble notre observatoire. Il est rigolo. Hein. C'est un observatoire dans les nuages avec le soleil ici et la lune là. Ok, donc on va regarder, je pense que ça touche à sa fin là, hein. notre petit bricolage touche à sa fin. Ah, qu'est-ce que tu veux tailler ton crayon dans mon oreille? Donc on va regarder ce qu'il faut faire ensuite. Alors, on nous dit qu'il faut placer dessous une lumière. La lumière, qu'est-ce qu'elle va faire la lumière? Elle va projeter des rayons sur les trous et les trous vont projeter au plafond eh ben, un ciel étoilé. Bon, les petits copains, les petites copines, j'ai trouvé une torche. Donc, on va pouvoir essayer le petit observatoire qu'on vient de fabriquer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais placer la lampe torche dessous. Et normalement, comme je vous disais, on va voir des étoiles se former sur le plafond. Alors là, on est dans la chambre d'Elie. On va éteindre et puis on vous montre ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Et nous revoici les petits copains, les petites copines. Donc là, nous avons éteint les lumières. À côté de moi, regarde, nous avons Elie. Et là-haut, eh ben, regarde ma bounette. Si je mets la lumière comme ça, on voit bien sûr eh ben, un rond de torche en fait. Hein. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre cette torche et je vais la placer dans notre observatoire. C'est parti. Et on regarde ce qui se passe là-haut. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. On voit des étoiles qui se forment sur le plafond. Voilà, regardez. Elle tourne. Voilà. Donc nous avons fabriqué un bel observatoire. Oh, il se passe des choses dans le ciel. Vous savez pourquoi? Parce qu'Elie est en train de m'attraper la main et est en train de me faire bouger. C'est du grand n'importe quoi. Voilà les petits copains et petites copines. Si cette vidéo vous a plu, bah, likez, partagez, commentez. Comme je vous disais, je vous mets absolument tout en barre d'infos pour retrouver ce site de PandaCraft avec toutes ces petites réalisations à faire à la main. C'est assez sympa. C'est bien PandaCraft. Hein, bien. Ouais, c'est bien. Et puis, bien faire. C'est bien. Et puis vous voyez, il y avait aussi ce petit objet à réaliser. Ça nous sert à faire des hologrammes. Donc ça, c'est assez génial. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Ça se met pas avec ça, c'est encore autre chose, c'est avec une application. Voilà, les petits copains et copines, on vous fait gros bisous. Likez, partagez, commentez. Et puis surtout, abonnez-vous. Nous, on vous fait gros bisous. Et on se laisse sur quoi? Sur l'observatoire? Ah non, j'ai une idée. Sur ton dessin. Regardez, pendant ce temps, Elie a fait un petit coloriage de poupée LOL. Alors on va se laisser là-dessus, les petits copains, on vous fait gros bisous. Thank you.
Thank you.